Amis viewers, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de nos aventures sur Game of Thrones le RPG. Aujourd'hui, on va se rendre au, au repas organisé par Lord Arton. Donc là, il faut qu'on aille chercher Jane. Attends, je loot d'abord et on discute après. Je suis contente que tu sois là, Morse. Ah oui, elle a le ballon. Comment ça s'est passé? Le maître affirme que rien de grave n'arrivera si je prends du repos. Tant mieux. C'est Lord Arton. Il a l'air amical, mais il en sait long sur nous. Trop pour que je me sente en sécurité. Penses-tu que tu pourrais quitter les lieux bientôt? Je crois qu'il vaut mieux rester encore un peu. Excuse-moi, Morse. Je sais que tu t'inquiètes, mais je ne pourrai pas voyager dans de bonnes conditions pour le moment. Pas dans cet état. Ce n'est pas grave. Essayons d'en profiter pour reprendre des forces. Bon, nous sommes attendus pour dîner. Tu te sens prête à y aller? Oui. Ah, ça pour aller bouffer. Très bien. Pour aller bouffer, elle est prête. Grosse dinde. Je te suis. Ah, encore du loot. Tu veux pas me parler, toi? Je compte sur vous pour faire en sorte que votre ami se repose. Il est préférable d'éviter de courir le moindre risque. J'ai vu trop de jeunes femmes perdre leur enfant pour savoir que rien n'est gagné avant la naissance. Entendu. Je ferai attention. Merci pour vos soins, Maître Martin. Ah, il y a un dialogue là à gauche. Where is it? Ah bah c'est... C'est Maître Martin. Il est où le... À droite. Le repas, où est la boostifaille? Ah, bah oui. Bon, on peut lui parler tout de suite. On va déjà faire le rapace. Oh, il y a de quoi bouffer ce soir. Pas trop s'éloigner non plus, faut pas déconner quand même. Un peu de tenue, Morse, quand même, bordel, t'es chez les... t'es invité, là. Un truc du genre. En gros, ces sauvages ont peur du noir. Ben, c'est... Oh la vache, non, c'est encore une table... Putain. Il y a bouffé pour 30 000 personnes, sans déconner. Ok, bah écoute, j'ai bien looté un peu partout, c'est cool. Ah, on va manger que ça. Alors, jeune fille, comment cela s'est-il passé? Vous allez mieux? Oui. Maître Martin m'a fait boire une concoction et les douleurs ont disparu. Tu t'es fait ausculter. Je vous en remercie. Selon lui, il suffira que je me repose, que j'évite tout effort inutile et tout ira bien. De toute façon, les femmes enceintes, c'est ça. Magnifique. Vous m'envoyez soulagé. Oui, mais j'ai mal. Vous pourrez séjourner ici tant qu'il vous plaira et vous reposer à votre guise. Je vous remercie. C'est bien. Ne vous en faites pas, c'est un grand honneur pour moi de vous recevoir à Castelbois. Mais je vous en prie, prenez donc place à ma table. Eh bien, vous deviez être affamé après toutes ces mésaventures. N'hésitez pas à vous resservir. Merci pour ce dîner, Lord Alton. Jane, ma chère, il faut que je vous dise quelque chose. Il y a fort longtemps... J'ai eu l'insigne honneur de côtoyer votre père. Comment? Vous savez qui est mon père? Votre sublime chevelure argentée ne saurait cacher vos origines, madame. Elle force l'admiration pour votre lignée, qui descend droit de Valyria. Qu'y a-t-il de si prestigieux? Vous faites de massacrer, violer et brûler des gens, dites-moi. C'est exactement ce que mon père a fait à ma mère, et à tant d'autres. Oula. Écoutez, je... Pourrait-on remettre cette conversation à plus tard? Morse, tout va bien? Oui, j'ai juste besoin de me reposer. Il est vrai que le roi Aerys II avait ses démons, et il me peine d'apprendre votre histoire, madame. Lui, il me calcule même pas. Bien que je comprenne votre rancœur, la dynastie Targaryen a régné 300 ans durant. 300 années de paix et de prospérité. Il y a eu des conflits lors de cette période, non? Si je me souviens bien.
Les événements qui restent des gouttes d'eau dans l'âge d'or que nous a offert la maison Targaryen. Jane, votre père était malheureusement un des derniers de sa lignée. À cause de la révolte de Robert Baratheon, celle-ci est en passe de disparaître. Et pour quel résultat ? Un royaume exsangue et un peuple meurtri. Westeros ne mérite pas un tel sort. Les rois légitimes doivent retrouver leur trône. Et vous pensez que Jane est l'héritière dont vous avez besoin ? Vous avez conscience que je ne suis qu'une bâtarde d'Aerys, n'est-ce pas ? Je me nomme Greystone, et non Targaryen. Ne vous inquiétez pas pour si peu, ma chère. Votre famille garde une excellente image auprès du peuple, et il accueillerait avec bienveillance le retour du dragon. Pour les gens du commun, la couleur de vos cheveux suffira. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un symbole. Un symbole ? D'une lignée démente massacrée ? D'un tribut payé au jeu des trônes ? J'essaie de retrouver une vie paisible depuis trop longtemps. Et vous m'offrez de plonger la tête la première dans un panier de serpents. Il est de notre devoir de rétablir l'ordre des choses, Dame Jane, et de chasser l'usurpateur du trône. Robert Ney, il n'est peut-être pas un bon régent, mais au moins c'est pas un boucher. Reprenez votre destin en main, Jane. Si vous nous rejoignez, vous vivrez la vie dont vous rêvez. Mon enfant n'est pas encore né, qu'il est déjà victime de vos jeux politiques. Et vous croyez que c'est ce dont je rêve ? Vous méprenez. Il sera toujours en sécurité à nos côtés. Nous lui offrons le trône de fer. Je ne veux pas de ce maudit trône. Je ne veux qu'oublier tout cela et vivre en paix, loin des intrigues du royaume. Et qu'en est-il de lui ? Avec ou sans notre protection, votre enfant n'en sera pas moins un héritier royal, vous le savez. Ses ennemis le mêleront tôt ou tard à cela. Est-ce là ce que vous voulez pour son avenir ? Ne l'ai-je pas assez dit ? Je me fiche de vos histoires de royauté, et jamais je ne rentrerai dans vos machinations ! Je vois. Il n'y a donc aucun moyen de vous faire entendre raison. Et non. Cela me désole, croyez-le bien. Ne me reste qu'une dernière question pour vous. Vous souvenez-vous de cette partie de chasse où vous avez rencontré l'usurpateur ? Croyez-vous que c'était une coïncidence ? Qu'insinuez-vous ? L'organisation de l'événement revenait à nos soins. Le roi répondait alors à l'invitation d'un ami. Peu de temps auparavant, j'avais découvert votre prestigieuse ascendance et compris qu'il était de mon devoir de vous aider à acquérir le trône. En fait, c'est un gros bâtard. Je me suis arrangé pour que vous puissiez vivre paisiblement votre idylle avec l'usurpateur. Grâce à cela, votre enfant possède à la fois le sang du dragon et celui du cerf. Robert ne se serait pas laissé manipuler. Il a conquis les 7 couronnes. Et pourtant, il aura suffi d'une quantité suffisante de boissons. Ce qui est ironique quand on y pense, puisque c'est presque similaire à ce qui se produit ce soir avec votre ami. Je vais les attirer à moi. Jane, fuis ! Garde, saisissez-vous d'elle. Ouais, ok, c'est parti, putain. Ouais, lâchez-la, t'as trop de cul, là. Allez, c'est la bagarre. C'est quoi, ça ? Ouais, c'est tombé. Oh là là, j'ai pas de cul, encore. Allez, défonce-toi, ça. Boule, bam ! Allez, one shot, là. Ah, j'ai plus de soin, je fiole. Mais tente-le. Ouais. Le chien. Je continue à attaquer le chien. C'est mort. Bah, bon, ça doit être prévu, je me fasse défoncer. Ah, j'ai plus de soin. Me blanc tôt. C'est le jeu des tollards en fait. Game of Toll. Et qui toi ?
Oh, oh, il a souffert. Oh merde. Ce serait pas le forgeron qui lui dit que Body était une merde. C'est bon, Trip. Je crois qu'il est mûr. Non, c'est pas le même. Laisse-moi l'interroger. Bon, écoute-moi bien. Si tu nous dis ce qu'on veut savoir, on ne te fera pas de mal. Par contre, si tu me mets en colère, Trip ira chercher ses instruments préférés. La dernière fois qu'il s'est occupé de quelqu'un, le pauvre gars a fini infirme. Il pouvait boire par plusieurs trous, jusqu'à ce qu'on l'achève un mois plus tard. Et tu ne veux pas que ça t'arrive, crois-moi. On va commencer par une question facile. Qui es-tu ? Morse Westford, frère juré de la garde de nuit. Tu es malin. Ça te facilitera la vie. Question suivante. Qui est la fille qui t'accompagnait ? Faut essayer de se mettre dans... Parce que c'est facile de faire le malin dans un jeu vidéo, tu vois. Mais faut essayer de se mettre dans l'esprit du machin, quoi. Vous voyez comment il saigne, il a été fouetté et tout. Qui est la fille qui m'accompagne ? Ils savent déjà qui c'est. Jane Greystone. Descendante d'Aerys de Targaryen. Continue comme ça, l'ami. Tu t'épargnes des souffrances inutiles. Quelle est ta véritable mission ? Alors... Il m'emmerde à... on va parler... Ma mission, c'est d'aller de ville en ville pour voir si les prisons n'ont pas quelques cadeaux pour la garde de nuit. J'ai croisé la fille par hasard en chemin, et tout s'est emballé. Tu te fous de ma gueule ? On a trouvé la lettre d'Arryn dans tes affaires. Je ne crois pas que tu sois un simple recruteur, et encore moins que tu aies rencontré la fille par hasard. Pas. Tant pis pour toi, la prochaine fois, tu y réfléchiras deux fois avant d'essayer de me faire avaler un mensonge. Rappelle-toi bien, tu as mérité chacune des secondes qui vont venir. Trip ici présent est spécialisé en sculpture sur chair. Oh, tu vas voir. Il va faire de toi une vraie œuvre d'art. Vas-y, Trip. Fais-nous une démonstration de ton talent. Vas-y, décroche-moi. T'es mort. Tu es bien plus beau comme ça. Et tu vas me dire, c'était pas bien dur. La douleur est trop vive. Impossible de me glisser dans l'esprit du chien. Oh, super. T'as dégusté, mon vieux. Je comptais sur Clever. Au début, j'ai vraiment cru qu'ils allaient te tuer. Mais finalement, tu t'en es bien sorti. En tout cas, ils ont l'air de tenir à te faire parler. Tant que t'as des trucs intéressants à leur dire, ils devraient te garder en vie. Je dois tenir. Il faut que je reste en vie. Pour Jane. On dirait qu'il est réveillé, mais il n'a pas l'air en forme. Oh, ça non. Tu m'entends, enfoiré? J'espère que la douleur t'a fait méditer. Le seigneur Arlton veut des réponses. Alors dis-moi, vieillard, on sait que c'est Arryn qui t'envoie. La question c'est, pourquoi ? Que savait-il de notre organisation ? C'est-à-dire, si tu veux des réponses claires, pose des questions précises. Ne joue pas au con avec moi. La main du roi savait-elle ce que préparait le seigneur Arlton et les autres dirigeants de la confrérie ? Peut-être. Qu'est-ce que ça changera pour vous, si c'est le cas ? Et surtout, qu'est-ce que ça changera pour moi, si je vous le dis ? Pour nous, pas grand-chose. Pour toi, par contre, ça peut t'épargner pas mal de désagréments. On sait déjà que John Arryn avait des agents pour protéger la fille, et que leur chef se faisait appeler la Mère Poule. Allons, ne te fais pas prier. Qu'est-ce qui te retient ? Tu as peur de trahir tes amis ? Tu devrais te détendre un peu, tu sais. L'un comme l'autre sont morts. Oh, ils ne t'en voudront pas de nous dire ce que tu sais là où ils sont.
Je te le demande une dernière fois. Que savait John Arryn de notre confrérie? Il savait que vous prépariez quelque chose. Il savait que vous vouliez la fille. Tout ce qui lui manquait, c'était de vous prendre la main dans le sac. C'est pour ça qu'on m'a envoyé. Je suis là-bas. Qui ça, on? Tu croyais vraiment qu'Arryn était le seul à s'intéresser à vous? Il est peut-être mort, mais d'autres perpétuent son enquête. Il faut que j'aille parler de ça à Lord Arden. Toi, Trip, occupe-toi de lui. Il mérite une petite correction pour ne pas nous avoir parlé de ça plus tôt. Je ouais, peux y aller comme je veux. Assure-toi seulement qu'il passe une sale nuit. Que ça lui fasse revoir son attitude. Mais ne l'abîme pas trop, compris? Oh, oh ma hernie. Oh non. Oh, c'est... Regarde, ça me fait des bleus. Frappe de donzé. Allez, on arrête là, j'ai trop faim. On continuera demain. Ah, bah à demain. Ils ont persisté, hein. J'espère pour toi qu'ils se lasseront de t'interroger. Bon, on peut peut-être prendre le chien. Il faut que je trouve un moyen de me libérer. Tu n'as aucune chance de t'enfuir seul. Mais si je réussissais à sortir d'ici, je pourrais te détacher. Il faut que j'arrive à me libérer tant qu'ils portent leur attention sur toi. C'est notre seule chance. Il me reste une carte à jouer. Ok, c'est parti pour toi là. Ouais, mon yinche. Allez, le yinche. Allez, Trip, on y retourne. Oh, bon, merde. Tu sais quoi, le callback? Le seigneur Arlton. Ah non, je dois jouer mon cher, moi. Chez lui-même. Je serai toi. Je ferai gaffe à ce que je dis à partir de maintenant. Très bien, Harris. C'est entre lui et moi maintenant. Mon cher Morse Westford. Quelle situation regrettable. Mes hommes pensent que vous êtes un agent de John Arryn. Et selon eux, vous travaillez maintenant pour le compte d'autres personnes qui veulent mettre à bas notre confrérie. On va reprendre depuis le début. Où avez-vous connu John Arryn? Je l'ai rencontré au début de la rébellion de Robert, quand Tywin Lannister m'a envoyé renforcer ses troupes. Nous avons traversé la guerre ensemble, et nous sommes devenus amis. C'était un grand homme. Bien. Bien. Continuons. Hier, vous avez dit à mes hommes que d'autres personnes que John Arryn s'intéressaient à nos affaires, et que vous travailliez avec eux. Qui sont-ils? Je travaille avec personne, moi. Ou alors j'ai raté un truc, mais... Demain, je vous dirai tout, en échange d'un bon gueuleton et d'une bonne panne de bière fraîche. Pour le moment, je veux juste qu'on me laisse dormir. Soit, si cela peut vous délier la langue, je vais me montrer conciliant avec vous. De toute façon, d'urgentes affaires m'obligent, et je dois m'absenter du château jusqu'à demain. Je vous laisse donc une journée de répit. Mais pour ce qui est du repas et de la bière, vous n'y aurez droit qu'une fois que vous aurez parlé. Venez, vous autres. Ok, c'est parti. Ah, nouveau trait baratineur. C'est bon ça. Faut les laisser partir. C'est pas comme dans Assassin's Creed, hein. Là les deux mecs sont trop proches l'un de l'autre pour que je tue celui de derrière sans éveiller celui de devant. Tia. Fous le camp d'ici ou tu vas moucher rouge, sale bête.
En même temps, je cherche un peu les bonus. Dégage de là, saleté. Saloperie de chien, j'ai goûté à ma botte. Putain, j'ai eu chaud. Ah, la gourmandise est un vilain défaut, vous savez. Bon. Merde, par où je viens ? Pardon, monsieur. Ouais, ça. Ok. Ouais. Passage secret à la con. Bonjour. Ah, tiens, là les copains. Ah, il y a un bonus dans le. Maintenant, ça va où ça ? Ah. Alors attends, parce que là je vais rater le. Oh putain. Va doucement, mon gros, va doucement. Parce qu'il me dit qu'il y a un petit cadeau là. J'aimerais bien ne pas rater le petit cadeau. Bon, c'est bien. S'il faut que je gêne avec Morse, c'est que je vais pas mourir. Ça m'aurait étonné aussi que je meure comme une merde. Voilà. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe ? Tu vas moucher rouge, salpette. Oh. J'ai. Oh. Oh, popo. Allez, sorti. Allez, bouffe, 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 bouffe. Parfait. Ok, super, il va pouvoir choper la clé et se libérer. Allez hop, tu viens de libérer Morse, maintenant on les défonce tous. Ah putain. Réveille-toi. C'est trop demandé. Quelques heures de sommeil. Qu'est-ce que vous revenez foutre ici ? On s'est dit que tu apprécierais sans doute un peu de compagnie. Barrez-vous ! Votre foutu seigneur me laisse une nuit de tranquillité. Oui. À ce propos, un corbeau vient d'arriver avec un message de Lord Arlton. On dirait qu'il a changé d'avis. Apparemment, il s'est réuni avec les autres membres de la confrérie. Ils ont décidé qu'il valait mieux que tu disparaisses au plus vite. Au cas où. Allez tous vous faire foutre. C'est ça, allez, Trip. Il est temps de se mettre au boulot. Allez, on a le chien. Mais le tison a chauffé. Prisonnier. On va s'amuser un peu. Très bien. Allez, donne-moi le contrôle du chien. Je vais lui refaire la gueule à cet abruté. C'est bon, passe-moi le tison. Alors, Korbak, voyons si ton regard est toujours aussi arrogant avec un œil en moins. Le chien, là, le chien, le chien. Non. Non. Non, 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 non. Oh putain. Ah non. Oh putain, non, t'es sérieux. Ah non, c'est horrible. Amis viewers, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le liker, le commenter, le partager. Et à demain, avec ou sans œil, on verra. Des bisous.